Bonjour à tous, donc je m'appelle Sébastien Lobet, je suis kinésithérapeute au Clinique Saint-Luc. J'ai à côté de moi un patient hémophile A sévère qui s'appelle Manu. Bonjour Manu. Bonjour. Et ma collègue Nathalie qui va se présenter. Bonjour, Nathalie Roussel, collègue de Sébastien, kinésithérapeute également. Je travaille à l'université d'Anvers et en recherche chez les patients hémophiles en collaboration avec Saint-Luc. Et donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer toute une série d'exercices à réaliser chez vous, à la maison, bien confortablement. On va quand même vous donner quelques petites recommandations. Il y a certains exercices qui nécessitent quand même des contractions musculaires et du renforcement musculaire. Donc, n'ayez pas peur, vous pouvez sentir un peu des sensations dans les articulations et dans les muscles, mais en aucun cas, ces sensations doivent être douloureuses. Et également, après l'exercice, un ou deux jours après, vous pouvez sentir une certaine raideur dans les articulations et dans les muscles. De nouveau, ces sensations sont tout à fait normales lorsqu'on a réalisé des exercices de renforcement musculaire. Mais tout ce qui est sensation, je veux dire, qui se différencie de ce que vous ressentez d'habitude, ben là, à ce moment-là, vous devez être extrêmement prudent et, si nécessaire, arrêter l'exercice. Ok, donc maintenant avec Emmanuel, nous allons réaliser quelques exercices à l'intérieur. Ces exercices vont avoir pour but de récupérer les amplitudes articulaires, mais également de proposer du renforcement musculaire. On va essayer de vous proposer toute une série d'exercices pour les membres supérieurs, pour les membres inférieurs. De nouveau, les consignes sont les mêmes. On vous les montre à titre informatif. Si vous ne savez pas aller aussi loin à cause de manque de mobilité, ben vous ne forcez pas. C'est justement des exercices assez dynamiques, donc le but est d'essayer de gagner progressivement en mobilité et en force, mais toujours sans forcer. Donc on va réaliser ici un premier exercice pour échauffer la partie lombaire. Donc on va se mettre à quatre pattes, comme ceci, et on va réaliser des mouvements d'inspiration et d'expiration en faisant une rotation du bassin. Ok, expiration, inspiration. Expiration, on fait une voilà, antéversion et rétroversion du bassin. Vous devez vraiment sentir que cette zone-là, que cette zone de votre corps est en train de bouger. De même, si vous êtes limité à cause de vos coudes, ce n'est pas grave, vous le faites dans une position un peu plus fléchie au niveau des coudes, ça ne pose pas de problème. Le travail se fait essentiellement au niveau de la colonne lombaire. Expiration, inspiration, voilà. Vous le faites une dizaine de fois et vous faites quelques séries comme ça, 3-4 séries d'une dizaine de fois. Ok, maintenant on va faire un exercice pour justement travailler les rotations. Je vais m'écarter, hein. Voilà, on fait passer une main là et alors on va ouvrir. Voilà, on va bien loin dans les mobilités, voilà. Voilà, et on va bien chercher dans les rotations. Ouvrir la cage thoracique, très bien. On fait une main et puis l'autre. Voilà. Voilà. Maintenant, on va réaliser un exercice essentiellement pour retravailler la mobilité au niveau des épaules. Ok, on peut descendre un tout petit peu plus bas. Ok. Hop, et on retourne vers l'avant. On inspire. Et on expire. Et on essaye de gagner un tout petit peu plus progressivement mobilité. On va vers le bas encore, 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 encore. Très bien. Vous allez voir que ça va tirer au niveau des pectoraux, on gagne en mobilité et on ne bloque pas la respiration. On inspire et on expire. Très bien. Donc Manu, maintenant ce qu'on va faire, on va travailler des exercices de gainage. Ce sont des exercices où il n'y a pas vraiment une grande amplitude de mouvement, mais où je vais demander en fait de contracter tes muscles du dos et tes muscles abdominaux. Alors ces muscles travaillent de manière statique et non pas dynamique. C'est important dans la vie de tous les jours pour garder une bonne posture par exemple. Donc le premier exercice que je vais te demander, c'est l'exercice le Superman. Donc tu peux te mettre à quatre pattes. Et donc on va commencer simplement par lever une des jambes. Ok, monte. Et ensuite, on va lever l'autre bras, le bras contralatéral. Très bien. On essaie de ne pas creuser dans le dos. Tu sens que tu fais travailler tes muscles du dos
et tes abdominaux et on va tenir comme ceci à peu près 5 à 10 secondes. Ok, tu changes de côté. Donc tu lèves d'abord une jambe, très bien, et puis tu lèves le bras. Essaye de monter le bras, essaye de monter, monter. Ok, très bien, tu tiens 5, 10 secondes. Et tu changes. Pour cet exercice Superman, si tu as des difficultés avec la position des mains, tu peux rouler un essuie. Voilà, tu le disposes comme ceci et tu places à ce moment-là tes mains. Voilà, tu vas diminuer l'angle au niveau des poignets et cela risque d'être un peu plus confortable pour toi. Voilà, très bien. Le deuxième exercice de gainage que je vais te demander de faire, c'est le tenir en planche. Alors, on va d'abord commencer avec une position de départ sur les genoux parce que de nombreux patients souffrent de problèmes au niveau des chevilles. Donc, se mettre directement sur les chevilles, ça risque d'être compliqué. Et puis, on augmente aussi le poids du corps, donc c'est plus difficile. Donc, on va d'abord commencer avec un appui sur les genoux. Et ensuite, si c'est possible, vous réalisez l'exercice sur les chevilles. Te placer Manu, voilà les coudes au sol, très bien, tu recules un peu les genoux, très bien, on veille à ne pas creuser le dos et tu tiens comme ceci en planche. Tu peux même avancer un tout petit peu les coudes, tu peux augmenter un tout petit peu les hauts, avancer un tout petit peu les coudes, ok, et tu tiens. Seulement si c'est possible, tu tends les jambes et tu prends appui sur la pointe de tes pieds. Voilà, très bien. Et maintenant, tu soulèves et tu essaies de tenir en planche. Évidemment, c'est un exercice qui est plus compliqué, mais qui travaille nettement bien. Alors, qui est très important, voilà, on se remet en position. Voilà, dernier exercice que l'on va faire, c'est pour travailler un tout petit peu l'extension du dos et travailler la tonicité des paravertébraux. Donc, tu peux te coucher sur le ventre. Voilà, avec les mains derrière la nuque. Et on va simplement essayer de relever le tronc, voilà, tu remontes et tu ne bloques pas la respiration, voilà, et tu expires, ok, tu relâches, inspire et expire, ne pas bloquer la respiration, voilà, et puis tu reviens. Ok, maintenant on va réaliser avec Manu toute une série d'exercices pour travailler les muscles abdominaux, les muscles du dos, mais également la chaîne postérieure des cuisses. Donc, je vais demander d'abord à Manu d'étendre ses mains au sol, voilà. Et puis, je vais lui demander de lever le bassin, voilà, comme ceci, pour réaliser le pont. Très bien. Et tu redescends. Très bien. Tu redéroules vertèbre par vertèbre. Tu montes le bassin, ok, être bien à plat. Et puis tu redescends. On va faire ça une bonne dizaine de fois. Ok, une dernière fois. On remonte. Manu, tu restes comme dans cette position-là. Si tu t'en sens capable, tu vas tendre une de tes jambes. Voilà, très bien. Tu stabilises. Très bien. Et tu remets. On fait avec l'autre jambe. Tu tends la jambe. Donc uniquement si vous êtes déjà stable dans la première position. Et tu ramènes la jambe et tu redescends. Vous le réalisez aussi quelques fois. Voilà, maintenant avec Manu, nous avons réalisé quelques exercices progressifs pour vraiment travailler la sangle abdominale et le gainage. Donc c'est une série d'exercices progressifs en 5 étapes. Et on ne passe qu'à l'étape suivante lorsque un niveau est maîtrisé. Donc, ça ne sert à rien de passer les étapes. Si vous avez déjà des difficultés à un niveau, à ce moment-là, vous restez à ce niveau-là. Alors, le premier exercice, on va demander à Manu simplement de plier une des hanches pour qu'elle se retrouve à 90 degrés, juste à l'aplomb de la hanche. Il va faire de même avec l'autre. Ok. Et Manu, tu tiens comme ça simplement 5 à 10 secondes. Bien respirer. Pas bloquer la respiration. Et tu redescends ensuite les jambes, une jambe et puis l'autre. Voilà. Très bien. On va recommencer. Donc ici, Manu, on va refaire l'exercice. On va passer au deuxième niveau avec une progression donc un peu plus rapide. Je vais simplement te demander de d'abord monter la jambe, puis monter la deuxième,
remonte, redescend de la première et redescend de la deuxième. Voilà, on le refait quelques fois. Donc on le fait plus de manière dynamique. Maintenant, la difficulté qu'on va ajouter, c'est qu'on va demander à Manu de retendre la jambe en frôlant le sol. Ok, vas-y Manu, première jambe, deuxième jambe, et tu retends une des jambes le long du sol. Voilà. Très bien. Et tu remontes. Très bien. Tu le fais avec l'autre jambe. Elle tend et tu frôles la surface du sol et tu remontes. Attention toujours à ne pas creuser le bas du dos. Vas-y, recommence avec la jambe gauche. Voilà. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Bien contracter les abdominaux, mais bien respirer en même temps. La jambe droite. Très bien, et on dépose. Voilà Manu, maintenant troisième étape, comme le deuxième exercice tu le faisais sans problème, on va refaire exactement le même, sauf qu'au lieu de frôler la surface du sol, tu vas laisser ton talon 5 à 10 cm au-dessus du sol. Donc on est reparti, jambe gauche, jambe droite, et tu retends la jambe, mais le talon ne touche pas le sol, et on remonte très très bien. Ok, on fait la même chose, très bien, bien tendre la jambe. Attention toujours à ne pas creuser. Pour cela, bien contracter les abdominaux, très très bien. Bien respirer, ne pas bloquer. Voilà, très très bien. Et on redépose. Quatrième progression, Manu. On va le refaire maintenant, c'est un exercice qu'on réalise les deux jambes en même temps. Donc, tu replies les jambes, tu les lèves à 90 degrés. Tu vas les retendre en frôlant le sol. Attention, voilà, frôle le sol. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Très bien. Et tu remontes. Voilà, à 90 degrés. Très bien. Je trouve que ça va très très bien. Donc, on va passer directement à la cinquième étape. C'est la plus compliquée. Nous allons réaliser le même exercice de nouveau, mais en restant 5 à 10 cm au-dessus du niveau du sol. Là, ça demande vraiment une contraction importante des paravertébraux et des muscles abdominaux. Donc si vous ne savez pas le faire les autres étapes, vous ne passez pas à cette cinquième étape. Ici, il s'agit vraiment d'une contraction importante. Vas-y Manu, ok, attention, on gaine bien, très bien, on plie et on remonte. Ok Manu, on va faire maintenant un dernier exercice pour travailler les abdominaux, c'est simplement l'exercice de pédaler. Donc tu lèves tes hanches de nouveau, et de nouveau, tu poses bien tes mains au sol, et tu pédales, voilà. Tu pédales, très bien. Voilà. Toujours veiller à ne pas creuser le bas du dos. Si tu le sens bien et que tu y arrives, tu peux baisser un tout petit peu les jambes justement pour augmenter le poids et le bras de levier et rendre l'exercice un tout petit peu plus difficile. Ok Manu, maintenant on va travailler un exercice pour les muscles du triceps et des membres supérieurs et des dorsaux. Donc c'est un exercice qui est assez compliqué puisque ce sont des pompages, mais les pompages on peut les réaliser de manière beaucoup plus simple en commençant sur un mur, donc vous allez vraiment diminuer la résistance. Ok Manu, tu poses tes mains sur le mur, tu peux les écarter même un tout petit peu, tu peux les écarter, voilà, un tout petit peu, ok, et on va réaliser des pompages. Allez, voilà, tu viens toujours bien veiller à garder ton dos bien droit, à ne pas creuser le bas du dos, et tu essaies de retendre les coudes. Pour les personnes qui ont des limitations de mobilité au niveau des coudes, c'est pas grave, vous allez jusqu'où vous pouvez, sans vous faire mal bien entendu. Ok, là je vois que Manu est assez facile, donc je vais lui demander d'augmenter la résistance en reculant les deux pieds. Au plus vous reculez les pieds, au plus vous allez augmenter la résistance. Vas-y Manu, tu peux recommencer, voilà, tu sens que c'est évidemment que c'est beaucoup plus compliqué, enfin beaucoup plus compliqué, c'est un peu plus difficile, voilà. Ok Manu, maintenant on va de nouveau augmenter un tout petit peu la résistance, toujours le même type d'exercice de pompage. Tu peux te mettre en position, donc tu vas être en position sur les genoux, tu écartes bien les mains, on va veiller à garder le dos bien droit, donc bien gainé au niveau des abdominaux, et on descend le torse, voilà, très bien, et on remonte. De nouveau, vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Si vous êtes limité par la mobilité du coude, vous n'exagérez pas. Attention, ici, c'est un exercice quand même avec une résistance importante. Vous commencez toujours par l'exercice contre le mur. Très bien.
Ok Manu, maintenant on va réaliser quelques exercices d'échauffement pour les membres inférieurs, puisqu'après on va vous montrer des exercices pour travailler les muscles des cuisses. Donc on va d'abord réchauffer un tout petit peu la colonne lombaire. Donc tu fléchis bien tes genoux et tu vas simplement faire balancer tes genoux d'un côté et puis de l'autre. Ce que tu peux faire, c'est même faire ça en écartant tes bras. Ok. Et tu passes. Voilà. Et tu fais une rotation. Tu peux même tendre tes bras pour gagner un tout petit peu en stabilité. Tu peux tendre l'autre. Voilà, très bien. Tu le fais quelques fois. Ça doit être un exercice confortable et agréable. On ne force pas. Si tu sens que ta colonne lombaire est assez chaude et que tu peux aller un tout petit peu plus loin dans les mobilités, tu vas faire la même chose, mais en tendant une des jambes. Et une des jambes va venir essayer de toucher. Voilà. Ta main opposée. Voilà, là on accentue le mouvement de rotation. Voilà, tu passes d'un côté puis de l'autre. De nouveau, ça doit être quelque chose d'assez agréable. En tout cas, ça ne doit pas trop tirer dans le bas du dos. Le but étant vraiment de travailler la mobilité. Voilà, donc avec Manu, maintenant on va travailler les squats pour vraiment travailler toute la chaîne inférieure, toute la chaîne antérieure et postérieure de la cuisse. Donc Manu, je vais te demander de mettre tes pieds largeur des hanches. Alors très important, on va tourner les pieds légèrement vers l'intérieur, au moins être parallèle. Voilà, donc encore un tout petit peu plus. Tu peux encore un tout petit peu plus écarter. Tu peux encore un peu plus écarter les jambes. Voilà, très bien. Tu vas mettre tes deux mains, voilà, sur les épaules. Et on va demander à Manu de faire une flexion de jambes progressive. Ok. Fléchis. Et tu remontes. Encore un tout petit peu plus. Très bien. Ok. Si ça va bien, on essaie de descendre un tout petit peu plus bas. Ok. Voilà, on augmente la flexion. On va sentir que ça travaille bien au niveau des cuisses. Ok, descends. Tu regardes bien devant toi. Voilà. Très bien. Maintenant, Manu, tu peux réaliser le même exercice, mais de manière plus rapide pour augmenter le rythme cardiaque. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais enlever mes mains et je vais utiliser mes mains comme balancier. Donc, je vais descendre et remonter. Descendre et remonter. Tu peux le faire avec un rythme assez rapide. Vas-y, encore. Très bien. Si vous le faites de manière assez rapide, vous allez voir que vous allez augmenter votre rythme cardiaque. Donc c'est un bon exercice à faire pour travailler son endurance. Donc maintenant, on va faire un exercice de fente avant. Ok, Manu, tu peux avancer une de tes jambes. On va utiliser un bâton en bois pour garantir un bon équilibre. Alors ici, Manu est en train de faire une erreur que beaucoup de gens font. Je vais le corriger, lui demander de mettre son pied gauche bien parallèle au pied droit. Voilà, très bien. On garde toujours la largeur, voilà, la largeur du bassin. Donc c'est un exercice qui va aussi faire travailler l'équilibre. Donc je vais demander à Manu d'utiliser le bâton en bois comme appui. Il va fléchir le genou progressivement. Ok, tu descends et tu remontes. Ok, regarde bien devant toi. Tu descends et tu remontes. Ok, donc vous le faites évidemment si vous ne sentez pas de douleur au niveau de la cheville et du genou. Si vous pouvez aller un peu plus loin, ok, on va augmenter la flexion du genou. Seulement si c'est possible et si vous ne ressentez pas de douleur au niveau du genou et de la cheville. On peut également augmenter la difficulté en réduisant l'appui au niveau du bâton. À ce moment-là, vous tenez le bâton juste en posant un doigt dessus pour garantir la stabilité. Très bien. Et si vous voulez vraiment faire travailler votre équilibre, alors à ce moment-là, je reprends le bâton, vous gardez votre équilibre. Là, c'est vraiment la progression la plus difficile. Vous le faites uniquement que si vous pouvez le faire donc sans bâton. On va réaliser cet exercice avec du côté droit, mais également ensuite changer du côté gauche. Très bien. Encore un dernier exercice pour travailler en même temps les rotations et les flexions de hanches. Je vais te demander de croiser les mains derrière la nuque et de venir réaliser une flexion de genou et de toucher ton genou avec ton coude opposé. Voilà, très bien, excellent. De nouveau, on essaie d'augmenter les amplitudes progressivement. C'est un exercice qui travaille en même temps l'équilibre. Voilà Manu, donc maintenant on va terminer la séance par un tout petit peu d'étirement. Donc je vais faire la séquence une fois avec toi et j'invite alors les participants à le faire, mais évidemment pendant beaucoup plus longtemps, afin vraiment de relâcher tous les muscles et les articulations. Donc, premier, on va simplement mettre les mains sur la tête et on va inspirer, essouffler.
Ensuite, on va tourner les mains, on va réaliser la même chose. On fait le même exercice. Très bien. On va se pencher sur le côté pour étirer les muscles. Très bien. Voilà. Très bien. Comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté. Les épaules ensuite pour terminer. Son épaule comme ceci. Et on va tirer et travailler aussi un peu sur la rotation. Très bien. De l'autre côté. Très bien. Avant dernier étirement, on va se mettre en position, les mains vers l'avant. Ok Manu, tu vas t'asseoir sur les talons et on va venir étirer. Alors le plus important, c'est de bien inspirer, de surtout bien expirer. On inspire. Et on souffle, et on souffle, on souffle. Dans cette position-là, on essaye de s'allonger et d'allonger le dos au maximum pour étirer les muscles du dos. Ok Manu, tu peux maintenant t'asseoir. On va terminer par l'étirement de l'arrière de la cuisse. Alors, il y a beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre évidemment leurs orteils, donc on va utiliser un essuie. Et je vais te demander... Voilà, d'étirer progressivement, voilà, de tirer sur l'essuie, on garde le dos bien droit, on essaie de se redresser, voilà, si tu sais, tu essaies de prendre l'essuie un tout petit peu plus court, très bien, et tu dois sentir que ça tire à l'arrière de ta cuisse. Ok, bien, et bien redressé, on inspire, et on souffle, et on passe ensuite à l'autre jambe. On essaie chaque fois de faire des postures de 20 à 30 secondes d'étirement. Mais voilà Manu, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir montré les exercices. Voilà, donc n'oubliez pas les dernières recommandations. Si vous avez une douleur importante suite à ces exercices et que ces douleurs vous semblent vraiment importantes, n'hésitez pas à contacter votre centre de l'hémophilie. De manière générale, lorsque vous faites donc ces exercices de renforcement musculaire, il est normal que vous sentiez certaines tensions dans les muscles. Ces tensions peuvent perdurer encore un ou deux jours après l'exercice. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on vous demande de réaliser l'exercice de manière progressive et d'y aller vraiment progressivement. Ça ne sert à rien de commencer à faire 20 ou 30 minutes en une fois le premier jour. Allez-y progressivement et augmentez progressivement le nombre de répétitions. Voilà, on espère qu'on a pu vous redonner goût à bouger et à refaire de l'activité physique. Ce sont simplement des petits exemples d'exercices que vous pouvez réaliser à domicile. Essayez vraiment de les faire le plus régulièrement possible, c'est vraiment la clé du succès.